À Hénin-Beaumont, c'est jour de conseil municipal. Et comme à chaque fois, c'est jour de tempête pour les rares élus de gauche. Ce matin, ils ne sont que deux. Ça me rappelle un peu la Russie en son temps. Hein. Peut-être que c'est votre collègue à gauche qui vous donne des envies, mais... Face à eux, le maire Front National, Steve Briwa, et sa trentaine d'élus venus faire la claque. D'ailleurs, vous aurez un sacré coup de pied au derrière dans les prochaines semaines, parce que tout cela, on en a ras-le-bol. Des échanges musclés auxquels assiste le journaliste Pascal Wallard de La Voix du Nord, le grand quotidien régional. Les électeurs vont vous mettre un bon coup de pied dans les urnes. Le conseil municipal d'envoi de vie, c'est toujours comme ça. Ici, depuis 2014, c'est toujours comme ça. J'ai déjà vu ça ailleurs. Non. Fort heureusement. Pascal Wallard a le sourire. Bienvenue à Hénin-Beaumont. Mais ça ne va pas durer. Il va se retrouver au centre des débats. Sur cette motion de soutien aux salariés de la Voix du Nord et de Nord Éclair. Pas de commentaire. Alors ça, c'est original. Les élus du Front National vont s'en donner à cœur joie. Je ne demande pas à ce que la Voix du Nord nous cire les pompes. Le journaliste se sent bien seul. Pendant 12 longues minutes, un adjoint attaque son travail, son honnêteté. Moi, madame, ce que je veux, c'est que cette ville, elle soit traitée par ce journal comme les autres villes. Et elle ne l'est pas, madame. Elle ne l'est pas parce que le responsable de cette agence, ça fait 17 ans qu'il est dans cette ville. Il a pris de très très mauvaises habitudes. Il pratique le copinage, sa source d'information est souvent unique, et il ne fait pas, à mon avis, son métier de manière professionnelle. Au fond de la salle, Pascal Wallard encaisse sans réagir. Il a l'habitude. Depuis 3 ans, le maire l'accuse de faire campagne contre lui. Tous les articles locaux sont toujours teintés d'ironie, de mesquinerie, d'attaques perfides lorsqu'ils nous concernent. Donc je pense qu'aujourd'hui, La Voix du Nord n'est plus un journal d'information, n'est pas un journal neutre, c'est un journal partisan. À Hénin-Beaumont, le torchon brûle entre la mairie et La Voix du Nord. Depuis qu'en 2014, Steve Briwa a remporté la ville au premier tour. Il traite La Voix du Nord en ennemi. Ce serait un journal de gauche qui salit sa ville. Le FN manifeste même sous les fenêtres du quotidien. La Voix du Nord a-t-elle dépassé les bornes? Au régional de 2015, elle appelle ses lecteurs à voter contre le Front National. 3-1, juste avant les élections. Du jamais vu dans la presse locale. Ça n'est jamais arrivé qu'un journal régional s'en prenne aussi violemment à un candidat. Ça a permis de nous souvenir qu'il y a un socle de valeurs sur lequel repose La Voix du Nord. Et puis je pense qu'hier, on était tous fiers d'être journalistes à La Voix du Nord. Le quotidien a été créé en 1942 par la Résistance. C'est une institution dans les Hauts-de-France. 230 000 journaux sont vendus chaque jour. Nous avons passé 2 semaines à Hénin-Beaumont. Avec ses électeurs frontistes qui ont résilié leur abonnement. Ah non, je ne lis plus La Voix du Nord. Pourquoi ? Parce que c'est un tract. Je ne lis pas les torchons. Votre torchon, là ? Pas la peine. Non. Avec ces Français, pour qui média rime avec menteur. Dans le bassin minier du Pas-de-Calais, Hénin-Beaumont a longtemps vécu du charbon. Une commune de 27 000 habitants qui a voté à gauche pendant des décennies. Une ville coupée en deux, entre les anti-voix du Nord et les fidèles de toujours, comme Dominique, Joël et Arlette. Ils vont embaucher 300 personnes à Auchan. Bon, une licenciée. Qu'est-ce qui vous plaît dans le journal? Qu'est-ce que vous regardez en premier? Les morts. Pour voir si on n'est pas dessus. Dominique et Joël lisent leur journal chaque matin, une tradition bien ancrée ici. De l'élu de votre cœur. Arlette, tu nous as caché des choses. Ah, vous êtes des lecteurs fidèles alors? Longtemps, moi j'habite Hénin depuis 40 ans.
Et c'est 40 ans que vous le lisez? Dans La Voix du Nord, mon père d'antan le lisait aussi, hein, donc... C'est famille en famille. Cette famille, ouais. Le journal est livré chez eux, tous les jours, à 6 h du matin. Ça leur coûte 37 euros par mois, plus de 400 euros par an. À l'intérieur, quelques pages sur la marche du monde. Et beaucoup, beaucoup d'informations locales. C'est le boulot de Céline Debette, reporter. Elle travaille depuis 3 ans à la rédaction locale des Nains Beaumont. Loin des stars de la télé ou des chroniqueurs parisiens, elle écrit 2 à 3 articles par jour, pour un peu plus de 2000 euros par mois. Ce jour-là, elle se rend au lycée hôtelier pour le concours général des métiers. Je suis en responsabilité de l'hôtellerie-restauration. Très bien. Ces reportages, c'est souvent le journal des bonnes nouvelles. Raconter les gens qui animent la région. Et depuis 13h30, en fait, ils sont dans des ateliers, en cuisine ou sur le service. D'accord. Céline, vous êtes toujours aussi bien accueillie quand vous venez pour la Voix du Nord? Oui, toujours. Oui, ça se passe toujours très bien. Oui. C'est comme ça? C'est comme ça, oui. Les gens sont plutôt accueillants, bienveillants. Tout se passe bien. Pour nous, c'est d'avoir un article dans La Voix du Nord, c'est toujours très intéressant, oui. Très valorisant pour nos sections et notre lycée. Ça donne l'eau à la bouche. Bon, bah, ici, Céline peut poser toutes les questions qu'elle veut. Et la mangue, se glisser dans les coulisses. La flambée, etc. La présenter. Elle reste une heure sur place, prend elle-même les photos. Tant qu'on ne parle pas de politique, tout va bien à Hénin-Beaumont. Retour à l'agence locale. Ils sont 6 journalistes pour couvrir les 16 communes des environs. À Hénin-Beaumont, compliqué d'avoir des infos. La mairie a coupé les ponts. On ne peut pas aller directement à la source, puisque la mairie, depuis 16 mois maintenant, refuse obstinément de nous répondre. Et à donner des consignes au chef de service de ne pas le faire également. Quand on envoie un SMS au maire pour lui demander de réagir sur un sujet, il nous dit je réponds pas aux militants socialistes. Quoi. Est-ce que vous êtes adhérents au Parti Socialiste, tous, les militants? Je crois qu'il n'y a aucun d'entre vous qui ait la moindre carte. Non. Qui ait jamais eu la moindre carte. C'est un fantasme. On a juste une carte de presse, c'est tout. La raison principale du boycott, c'est cette fameuse série d'articles contre le Front National avant les régionales. Ils n'en ont pas écrit une ligne. Ils ont un peu de mal à l'assumer. Il y a un choix, éditorial qui a été fort, qui a le mérite d'être clair. Vous auriez été fier, vous étiez mal à l'aise, particulier comme hier. On savait juste qu'on allait trinquer. On n'a pas été déçus. Cette déclaration de guerre au FN, elle a été préparée à 30 km de là, au siège du journal, sur la Grand Place de Lille. L'état-major l'a écrite sans consulter personne. Aujourd'hui, voilà. La direction refuse d'en parler. Seul un élu syndical accepte de nous l'expliquer. Publier cette une à la veille d'une élection, est-ce que c'était pas une tentative d'influencer le vote? Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un journal? Le rôle d'un journal, c'est d'informer les gens afin qu'ils votent correctement. Le FN, bien qu'il dise le contraire, n'est pas un parti comme les autres. Donc c'est en ce sens que nous, on était plutôt contents que, comme ce n'est pas, on considère que ce n'est pas un parti comme les autres, que c'est un parti qui distille la haine, on est un traitement différencié pour ce parti-là. La presse appelle à battre son camp. Bonjour. Tant mieux. C'était une distribution de crêpes. Ouais. Steve Rivois privilégie le contact direct avec ses électeurs. Ah, 2 crêpes, s'il vous plaît. Pour Mardi Gras, le maire distribue les crêpes et les accolades. À défaut d'être invité au restaurant, hein. Bah, alors. Selon lui, les journalistes sont devenus inutiles. Les hommes politiques ont besoin de la presse. Eh bien, maintenant, non. Voilà, ni la presse, ni les médias. Voilà, et nous avons été élus d'ailleurs contre une campagne médiatique comme jamais, et puis ça marche bien. D'ailleurs, on a fait 50% au premier tour. On a subi dernièrement au régional une campagne d'intoxication de la part de la Voix du Nord. Eh bien, néanmoins, nous avons réalisé 59% au premier tour. Donc maintenant, voilà, on n'a pas besoin de la presse, surtout pour dire des choses qui sont parfois mensongères. Bonjour. Le maire estime sa commune stigmatisée.
Un autre article l'a rendu fou de rage. Un reportage sur ce muret, installé par la mairie à la demande des habitants du quartier, pour bloquer la circulation, éviter les cambriolages. La Voix du Nord avait donné la parole aux habitants dans cet article. Un mur qui fait des heureux, mais pas que. Le traitement de la Voie du Nord était assez modéré. Il disait d'un côté, il y a des gens qui sont d'accord, de l'autre, les gens ne sont pas d'accord. C'est assez classique. Écoutez, j'ai pas relu l'article depuis, mais l'article évoquait un mur. Un mur, sous-entendu, le Front National, lorsqu'il arrive quelque part, il veut installer un mur pour séparer les populations. Mais non, c'était pas un mur pour séparer les populations, c'était un muret pour protéger les habitants d'un quartier. Vous l'avez trouvé injuste ce jour-là, la Voie du Nord ? Très injuste, oui. Les habitants l'ont réclamé avec une pétition. La ville d'Hénin-Beaumont vient de le construire. Après la Voie du Nord, l'histoire du muret est reprise par France 3 Nord-Pas-de-Calais. L'ouvrage a quand même de quoi surprendre. Les chaînes nationales suivent. Une mairie Front National dirigée par Steve Briouat. Et ironise. Ça pose un petit peu problème, c'est vraiment assez unique, un mur en pleine rue comme ça. LCI, BFM, ITélé, toute la presse parisienne débarque à Hénin-Beaumont. Depuis Londres, un journal britannique se moque même de ce mur anti-cambriolage qu'il qualifie de ridicule. Au niveau national tout d'abord, puis international, les gens ont vu ça comme un symbole. Là où on abat des murs, à Hénin-Beaumont, on en érige. Enfin, c'était pas du tout notre volonté, c'était pas du tout la philosophie du papier. Je trouve qu'il y a eu du BFM, il y a eu tous les quotidiens nationaux. Puis beaucoup de papiers qui ont été faits, effectivement, par des gens qui ont pas mis les pieds ici, qui ont piqué une phrase chez nous, et puis après, ont mis leur petite sauce, quoi. C'est devenu un peu du grand n'importe quoi derrière. Bon, après, on maîtrise pas ça. Dans le quartier, Gérald et Nicole ont mal vécu les jugements sur leur muret. Alors c'est ça le fameux mur ? Ouais. Oui. Notre mur. Notre mur, vous voyez, on peut toujours passer, les poussettes, les motos. Il y a combien de journalistes qui sont venus filmer ce mur en tout ? Au moins une bonne vingtaine. De temps en temps, on y allait voir, leur demander, poser des questions. C'est bah oui, mais c'est le mur de la Honte, c'est le mur de Berlin. Gérald et Nicole ont voté pour Steve Briouat. Ils en veulent aux journalistes, au battage médiatique. Comme leur voisine Cathy, toujours agacée par les caméras. Ils vont nous la faire combien de temps, franchement ? Ah oui ? Non, mais sérieusement, faut vraiment arrêter avec ça. Foutez-nous la paix, sérieux. Pourquoi est-ce que vous croyez que les journalistes ils sont venus ici ? Pourquoi ? Mais c'est encore par politique, pour embêter avec le FN. Mais vous êtes tout le temps avec ce truc-là, sérieux. Dès que c'est le FN, c'est toujours, c'est le racisme. C'est, voilà, ça revient toujours à la même chose. Comme ta voiture. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des voleurs. Ouais. Cette colère contre les médias, la mairie l'a bien comprise. C'est Bruno Bild, l'adjoint à la communication, qui organise la riposte contre la Voix du Nord. Chaque matin, il épluche le journal. Il traque le moindre mot qu'il juge hostile, comme dans cet article sur le dernier conseil municipal. Ni David Noël, ni Marine Tondelier avaient conçu 5 heures de débats bien raisonnables. Mais c'est vrai qu'ils ont été gentils, là. Oui. Ça va ? Ouais, je voulais te voir sur le prochain magazine municipal. Tu as vu ? Pour répliquer au journal, les élus du Front National utilisent le magazine mensuel de la mairie. Donc, si tu veux, je voudrais qu'on réponde à ça gentiment, parce que donc ils n'ont pas été très méchants et très fiers d'habitude, c'est pire. Ouais, c'est la contre-attaque, là ? Non, c'est juste une mise au point. Hein, donc une petite mise au point, parce que on estime qu'on n'est pas traité de manière donc objective, on dira. Et par conséquent, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. On conçoit aussi notre rôle, pas forcément comme un rôle de riposte, mais aussi un rôle de réinformation, d'éclaircissement parfois de certaines situations, parce que sur certains dossiers, on voit très bien que la Voix du Nord ne donne pas toutes les informations.
Donc nous, on complète avec des chiffres, etc. La réinformation, elle passe notamment par des titres racoleurs dans le bulletin municipal et un portrait peu flatteur du journaliste Pascal Wallard, accusé sans aucune preuve d'insulter les habitants, de rouler pour la gauche. Le journaliste est devenu la cible principale du maire. C'est maintenant officiel, le chef d'agence de la Voix du Nord, Pascal Wallard, soutient ouvertement la gauche d'Alain Beaumont. L'agence de la Voix du Nord d'Alain Beaumont n'est qu'une officine de gauche et nous allons le faire savoir à toute la population. Voilà. Vous n'avez pas de main morte ? Non, mais encore une fois, réflexe d'autodéfense. Officine de gauche, là c'est plus que la défense, là. Oui, enfin encore une fois... Est-ce que c'est une insulte pour eux ? Attendez. Sur les réseaux sociaux, une page anonyme, La Voix des Nains, distille les mêmes insultes ciblées contre le chef d'agence. La preuve que le gros Wallard de la Voix du Nord a encore menti à ses lecteurs. Sur la page du maire, des visiteurs laissent des commentaires violents, comme sur cette copie d'écran, transmise par Pascal Wallard. Il faut leur faire pisser le sang à ces journalistes haineux et jaloux de votre réussite. C'est quand même très très violent. Hein. Très violent. Violent, vicieux. Voilà, c'est une perversion folle, quoi. Et encore, il y a énormément de postes qui ont été retirés. C'est d'une volonté de nuire que j'ai jamais rencontrée, quoi. Jamais rencontrée. J'ai malheureusement l'habitude, mon organisme encaisse. Mais bon. Parfois, on se dit qu'on n'a pas voulu faire ce boulot pour vivre ça, quoi. C'est pas... On n'a pas à vivre ça. Voilà. Et que je ne sais pas ce qui attend notre profession dans les mois à venir, mais ce n'est pas forcément réjouissant. Les journalistes se sentent sous pression constante. D'autant que le maire entend répondre dans leur journal à chaque article, même celui sur la stérilisation des petits chats errants. Sur quelque chose d'aussi bénin, la municipalité demande un droit de réponse ? Oui, mais c'est systématique, hein. On n'est plus étonné maintenant de recevoir... Quel que soit le sujet, aujourd'hui, le seul moyen de communication qu'ils ont trouvé, c'est le droit de réponse. Ça va pas un peu trop loin ? C'est un petit peu fatigant. Le maire en a exigé 24 en un an. La loi oblige les journalistes à publier ces textes sans les modifier. C'est quoi l'article ? Demain, il y en a deux, les deux droits de réponse, sur les chats et sur les policiers municipaux. Donc qui seront ici. Mais ça prend de la place. Et ici, il y aura un article donc, d'un rédacteur en chef adjoint qui va expliquer comment on travaille ici à Alain Beaumont et le harcèlement qu'on subit. C'est ça le but, de vous user, de vous fatiguer ? Ouais. Ça marche pas puisqu'on continue d'expliquer, d'expliquer dans nos colonnes qu'on continuera à faire notre travail, quoi qu'il arrive. Quoi. Dans cette bataille, les électeurs du maire ont choisi leur camp. Noël, BFM TV en parle. Pour Gérald, Nicole et Cathy, la Voix du Nord, c'est fini. Je ne prends pas la Voix du Nord, mais du peu que j'ai pu lire, justement, de petits messages qui peuvent passer en réseau, la Voix du Nord prend parti. Elle va prendre parti avec le socialiste ou même les autres politiciens de la mairie, quoi. Mais contre l'FN. Normalement, elle ne doit pas prendre parti. Moi, je ne prends plus la Voix du Nord. C'est un peu. Et comme oui. Je dis, de trop, c'est de trop, ça nous fait chier. À la longue, on va même plus vous écouter. Dans la région, comme partout en France, la presse perd des lecteurs. 5% de ventes en moins pour la Voix du Nord chaque année depuis 3 ans. À cause d'Internet et de la crise. À cause peut-être aussi de la méfiance grandissante qu'inspirent les journalistes.